Yes, salut à tous sur Calix, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le spécial What is in my bag, spécial DJ, qu'est-ce que je prends tous les soirs pour aller mixer. Let's go, pow! Yes à la famille, comment ça va aujourd'hui? Hurricanix dans ton écran. Waouh, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo spéciale What is in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de DJ. Donc là, je vais vous présenter le sac que j'utilise tout le temps pour aller mixer. C'est pas le sac de voyage de DJ, c'est pas le sac pour aller en guest. C'est le sac que j'utilise pour aller mixer dans les résidences, dans les lieux que je connais déjà. Je sais exactement c'est quel matériel et je l'ai optimisé pour pas qu'il soit trop lourd, mais que j'ai l'essentiel pour mixer. Avant, j'aimais bien changer de sac, faire plusieurs configurations. Des fois, je prenais la valise, des fois, je prenais un gros sac à dos, des fois, je prenais une petite mallette, etc. Là, j'ai complètement changé. J'ai pris un seul sac unique où bah, je modifie pas grand chose dedans et au moins je suis sûr de ne rien oublier. Parce que plein de fois, j'ai oublié des choses et parce que c'est un petit peu relou quand tu arrives dans l'établissement et tu vois qu'il te manque un câble, un écouteur, un casque ou quoi que ce soit. Bref, ça arrivait un peu trop souvent, j'ai optimisé l'affaire. Donc je vous invite à faire pareil, un seul sac pour aller mixer. Votre sac de DJ, c'est pareil, comme vous avez un sac de sport, et bah là vous avez un sac pour aller mixer. Si vous avez des astuces ou vous pensez qu'il manque quelque chose dans mon sac, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ou justement si vous avez trouvé quelque chose d'assez cool. Bon, il n'y a rien d'incroyable pourtant, mais n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires juste en bas. C'est très très important. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'envoyer les pouces en l'air. Ça fait grave plaisir. Merci la famille. Bon, commençons et découvrons ensemble le spécial What is in my bag, résidence DJ. Voilà, on va l'appeler comme ça. Let's go. Pouh. Yes la famille, bah commençons directement avec le sac qui est un Stubble & Co. C'est une petite marque anglaise que j'ai trouvé comme ça par hasard. Je cherchais quelque chose avec un world top qu'on appelle ça. Je l'ai trouvé comme ça par hasard et le sac m'a séduit de ouf. Alors vous savez que je suis très très critique sur les sacs et justement je voulais un sac assez précis. Déjà absolument il fallait qu'il soit noir pour éviter qu'on pense que c'était un sac de DJ avec un gros logo, etc, etc. On connaît les sacs de DJ, t'es grillé à 10 000 km et tu vas te faire voler. Donc il fallait quelque chose d'assez sobre et qui en dise pas trop long sur ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième critère qui était très important, il fallait qu'il y ait un roll top. En fait, c'est la possibilité de déplier et gagner de l'espace. Il va permettre de mettre plein de choses. Donc ça, je ne suis pas limité. Mais il fallait quand même que le sac soit petit. Donc le sac en lui-même fait 20 litres. Et il y a une expansion de 5 litres, je crois, avec le roll top. Je ne sais pas du tout comment on dit ça en français. Alors, il est très agréable, très confortable. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une pochette zippée devant. Donc ça, c'est quand même très cool. Il a une pochette sur le côté pour mettre bouteille d'eau ou n'importe quoi que vous avez besoin de mettre sur le côté. Une autre de l'autre côté, donc de part et d'autre, gauche et droite. Donc ça, c'est cool. Et surtout, très très important, que j'avais besoin, un compartiment spécial pour le PC. Voilà, on en reparlera un petit peu juste après. Mais c'était très très important pour pouvoir sortir rapidement l'ordinateur. Un truc à ne pas négliger du tout, c'est le strap. Voilà, dorsal qui permet de bien maintenir. Donc ça, quand vous marchez un petit peu, quand vous prenez le métro, etc., c'est quand même hyper, hyper utile. Et bien sûr, un compartiment au milieu et quelques petits compartiments à l'intérieur. Vous allez voir, c'est quand même bien fait. Dites-moi dans les commentaires justement si vous connaissez cette marque et si c'est votre style de sac. Moi, j'étais pas du tout dans ce genre de style-là, mais il fallait quelque chose de vraiment sobre et pas trop grand. Et je suis vraiment très, très satisfait. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est résistant à la pluie, donc ça fait grave la différence. Voilà pour le sac Stubble & Co. En tout cas, la qualité, elle est au rendez-vous. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas à dire, c'est très cool. J'espère qu'il va durer assez longtemps. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Bah, tout simplement, vous l'avez vu, hop. Déjà, première chose hyper importante quand je vais mixer, je mixe toujours avec mon ordinateur et avec Serato. Vous connaissez cet ordinateur, le Retina 2015 13 pouces. On a déjà fait une vidéo dessus où j'ai changé l'écran, j'ai changé la RAM, j'ai changé le disque dur aussi à l'intérieur, donc il tourne toujours de feu et je suis toujours plutôt content, ça fait le job, pas du tout de problème. Donc je vous remets les caractéristiques juste sur le côté. Peut-être que dans un futur on changera, on est très intéressé par le M14, on verra. En tout cas il n'y a pas d'urgence pour l'instant, le 13 pouces 2015 ça fait le job grave, full HD, full club kit, zéro problème. Alors oui, deux petites choses sur le sac, je ne vous l'ai pas du tout dit, mais regardez, ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait le sac il est coloré, donc on voit très bien l'intérieur, surtout nous pour la, qui travaillons la nuit dans des espaces sombres. Bon là c'est orange, on voit directement l'intérieur du sac, donc ça c'est quand même hyper cool. Et deuxième chose pour le roll top, en fait on peut l'agrandir comme on veut, il suffit juste de tirer la languette pour lui donner un petit peu plus d'espace et toujours l'accrocher. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer dans le main compartiment, dans le compartiment principal. Donc première chose à l'intérieur que je prends assez souvent, je ne suis pas obligé, mais par sécurité, je le fais, c'est
le Stand Magma. Voilà, il est tout léger, le Stand Magma et sa petite pochette. En fait, c'est très très cool parce que des fois, vous arrivez dans des lieux et il n'y a pas forcément la possibilité de poser son PC correctement. Des gens ont oublié un stand, bref, c'est pas prévu. Donc là, toujours dans le sac, dans sa pochette, si vous en avez besoin. Et en fait, c'est un stand pliable. Il prend pas trop de place. Laissez-moi vous faire une petite démo parce qu'en fait, c'est hyper, hyper cool à utiliser. On dessert, boum, boum. Et en fait, on va pouvoir le placer de plein de styles différents. Et en plus de ça, vous pouvez changer la hauteur. Hop. Voilà, assez haut, c'est quand même, ça fait quand même plus grave plaisir. Et bien entendu, on peut aussi le mettre dans l'autre sens. On peut poser l'ordinateur tranquillement. Le Stand Magma, il me sert de fou, de fou, de fou, dans beaucoup, beaucoup d'établissements. Donc n'hésitez pas à l'avoir dans votre sac, dans votre voiture. Il ne pèse pas si lourd que ça et c'est quand même cool. Et très, très facile à déplier. Voilà, n'hésitez pas. La suite dans ce petit sac, autant vous dire qu'une fois enlevé l'ordinateur et le stand, le sac est archi... archi léger, hein. Il reste plus grand chose. Alors je sais pas si vous voyez bien, il y a deux petits compartiments ici et ici. Je vais vous mettre des photos, ça va être plus simple. Et du coup, dans un premier compartiment, j'ai forcément le chargeur du Mac. Donc voilà, n'hésitez pas à bien, bien ranger le câble pour éviter de racheter des chargeurs à 90 balles. Ça fait toujours mal aux fesses. Donc voilà, c'est comme ça qu'on range un chargeur de Mac. Dans cette petite pochette, j'ai toujours deux adaptateurs différents parce que vous savez que je suis en Angleterre. Donc j'ai l'adaptateur anglais qui est déjà dessus et je prends l'adaptateur français. Au cas où, il est toujours dans le sac, on sait jamais. Dans la deuxième pochette, j'ai ce qu'on appelle l'UDG case. Donc ça, c'est la petite pochette où je range toutes les clés USB. Oui, toutes les backups au cas où, si jamais il faut redémarrer l'ordinateur en plein 7, j'ai des clés USB de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Déjà, c'est très bien parce qu'elle est bien rembourrée, elle est bien protégée. Donc ça, ça fait plaisir. Donc déjà, on risque pas d'abîmer ces clés USB dans le transport. Deuxième chose, on a la possibilité de ranger 1, 2, 3, 4 clés USB. Je n'ai pas du tout 4 clés USB. Donc par contre, ce que j'ai dans la première, c'est une mini clé USB qu'en général, j'accroche sur mes clés de maison. Mais bon, là, elle est là. 256Go SanDisk. Pas hyper, hyper rapide USB 3, mais au moins beaucoup, beaucoup de capacité. Je vous mets le lien, bien sûr, juste en bas. N'hésitez pas. Deuxième, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Un gros adaptateur jack HD25. Oui, parce qu'on n'est jamais, jamais à l'abri d'en oublier. Donc beaucoup, beaucoup trop d'histoires d'oubli avec ce genre de trucs-là. Bref. Des mauvaises aventures, je remets dedans. Dans le troisième compartiment, on a encore un adaptateur gros jack. Mais cette fois, sans l'effet vis du HD25. Là, il suffit juste de mettre n'importe quel type d'écouteur à l'intérieur et ça marchera. Je vous explique pourquoi après. Dans le dernier compartiment, une clé USB 128Go et l'Onuma. Et j'ai rajouté l'adaptateur Lightning Jack. On ne sait jamais s'il y a une request, s'il faut rajouter un son, etc., etc. Bon, gardez ça toujours avec vous, ça peut sauver des vies. Parce qu'il n'y a pas toujours une DGM 900 Nexus 2 avec le port USB. Si vous avez une DGM 900 Nexus, donc ça, ça peut vous sauver la vie. Donc, gardez-le bien précieusement. Et de l'autre côté, j'ai une autre clé USB 128Go SanDisk aussi, mais qui fait USB d'un côté et USB-C de l'autre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Elle n'est pas non plus incroyablement rapide, mais au moins, quand j'ai besoin de transférer des choses sur différents PC, différents Mac, j'ai pas de problème à avoir un adaptateur supplémentaire USB-C d'un côté, USB normal, USB-A de l'autre côté. Ça fait plaisir. Et la dernière chose qu'il y a dans cette case, c'est des écouteurs Beats intra-oculaires. Donc normalement, c'est des écouteurs de sport, mais qui peuvent vous sauver la vie si jamais vous avez oublié votre casque. Donc c'est exactement pour ça que je les laisse dedans et ils vont très bien me servir avec l'adaptateur jack que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, des écouteurs au cas où, parce que c'est pas arrivé qu'une fois d'avoir oublié son casque. Voilà, donc maintenant je prévois. Donc voilà pour la petite boîte des clés USB, sachant que je mixe rarement en USB, hein. Donc là c'est vraiment plutôt la boîte de backup, c'est vraiment du au cas où. Qu'est-ce qui nous reste dans ce fameux sac? Pas mal de petites choses encore, hein. Bien entendu, on a notre super petite boîte de câbles HID, donc ça vous connaissez déjà, je vais vous la montrer, classique. Un câble UDG orange, souvent je le mets à gauche. Un câble USB, donc type B il me semble, hein, type imprimante. Puis c'est long, donc je m'en sers aussi pour le HID. L'adaptateur USB Anker qui marche toujours, toujours, qui ne fera jamais, jamais défaut, qui est vraiment incroyable, donc zéro problème, je le recommande vraiment toujours, toujours, toujours. Et le câble OID de qualité supérieure, vert, on le voit très bien, qui est débranché directement sur la table de mixage pour le Club Key. Donc vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Et tout ça dans une petite boîte UDG. À l'intérieur de ce sac, on a une petite pochette zippée pour tout ce qui est documents importants. Moi, j'ai pas de documents importants, par contre, j'ai mes bouchons d'oreilles, donc ça... obligatoire, je mixe avec des bouchons d'oreilles, je me déplace tout le temps avec des bouchons d'oreilles qui sont moulés. Voilà,
c'est moulé, c'est fait par Earsonic. Je m'en sers tout le temps. Et je peux mixer avec sans problème, surtout quand les retours sont de mauvaise qualité ou la qualité de son de l'établissement, ça fait mal aux oreilles. N'hésitez pas à avoir des bouchons d'oreilles avec vous pour éviter de perdre l'audition. Hein. Qu'après, une fois qu'on n'entend plus, c'est fini. Donc, protégez vos oreilles. Les bouchons d'oreilles, c'est hyper, hyper important. Et dans cette petite pochette zippée, on a aussi un porte-clé pharmacie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, dedans vous pouvez mettre des médicaments, c'est pas ce que je fais du tout. Par contre, ce que je mets, c'est des bouchons d'oreilles, encore. Voilà. Donc ça, c'est des petits bouchons d'oreilles, ça ne coûte pas très très cher, mais c'est plus quand je me balade en soirée, quand je vais me promener, etc. Je ne suis pas en train de mixer, je mets ça pour éviter de tuer mes oreilles et ça me permet très bien de parler avec les gens ne le voient pas, c'est transparent, donc ça fait grave plaisir. Ces petits bouchons, je les range dans cette petite boîte, vous mettez ça dedans, vous refermez. Vous mettez ça sur vos clés. Bon, moi, je le laisse dans mon sac, mais très, très utile. Et vous allez voir, vous allez sauver vos oreilles. On fait vraiment très, très attention aux oreilles. Très important. Dans cette pochette zippée, on a aussi un stylo 4 couleurs. Donc ça, c'est classique, très, très important. Les petites requests à écrire, les petits autographes à signer, les numéros de téléphone à prendre. Bref, un stylo, c'est toujours, toujours très, très utile. Ça arrive souvent qu'on demande un stylo quand même. N'hésitez pas. Donc, soyez la bonne personne. Soyez la personne qui sauve les gens. Ayez un stylo. 4 couleurs en plus, ça fait grave plaisir. Bien entendu, on parle d'oreilles, on parle de musique. Bien sûr, le casque HD25 classique, on a les mousses en velours, on en a bien parlé, c'est très très important et ça fait toujours grave plaisir. Le jack est directement branché dessus, donc au final, j'ai 3 adaptateurs jack, j'en ai 2 de secours et j'en ai toujours un branché dessus. Donc voilà, le HD25, jamais il me quitte, il reste toujours dans le sac. Très très important. Voilà ce qui est pour l'intérieur du sac, mais bien entendu, comme je vous ai dit, il y a plein de petites pochettes. J'utilise rarement la pochette zippée. En général, je mets des matrous de toilette ou des choses comme ça. Bon, là, il n'y a rien dessus. Mais par contre, j'utilise les pochettes qui sont sur le côté. Donc, dans la pochette qui est à gauche, j'ai toujours avec moi une batterie. Donc, on sait jamais, le téléphone peut tomber en rade. On peut charger le téléphone des gens. Ça fait toujours grave plaisir aussi en soirée. Donc, batterie, Anker, 2 ports USB, ça se recharge en USB-C. Elle est plutôt légère, elle tient dans la poche, c'est vraiment la taille d'un téléphone, donc ça c'est plutôt cool. Et petite option aussi très très cool, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de câble USB, et ben en fait ici, si vous regardez bien le cercle, c'est un chargeur sans fil, il vous suffit juste de poser votre téléphone et ça charge. Donc voilà, si vous n'avez pas de câble, c'est quand même une très très bonne option. Mais bien entendu, on a toujours un petit câble, un câble Anker qui est vraiment très flexible et qui résiste très très bien. Le lien est dans la description aussi. Donc ça, toujours les deux en même temps, parce qu'au final, ça recharge toujours plus vite avec le câble. Et la batterie, franchement, je fais 5-6 recharges de mon iPhone X sans souci. Donc ça fait grave plaisir, ça tient largement le week-end en détente. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans cette petite pochette? On retrouve aussi les stickers Hurricane X, la Street Promo. Très 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 important, voilà, posez ça dans vos clubs, etc. N'hésitez pas, ça déchire, et des stickers à votre nom, vous les posez dans les cabines, dans la rue, etc. Bon, ça fait la promo, ça fait ce que ça fait, ça tient dans le temps, et en général c'est cool, les gens vous envoient des photos en mode « Ah, t'es déjà passé là, etc. » Donc ça c'est cool. Donc les stickers, toujours accessibles dans la petite poche sur le côté. Et dans cette poche, c'est toujours pas fini, je vous l'avais déjà dit, ayez toujours du gaffeur avec vous. Donc voilà, le petit scotch d'électricien, ça peut toujours sauver des vies. Et ça me sauve toujours, toujours la vie. Franchement, tous les 2-3 mois, j'en rachète un. Ça permet de réparer, de fixer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas, dans le sac, ça prend pas beaucoup de place. Et vous allez voir, avec ça, vous allez sauver la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et même la vôtre. Donc voilà, n'hésitez pas, toujours un petit scotch, un petit gaffeur dans le sac. Voilà, il me semble que c'est tout pour cette petite pochette. On passe directement à la seconde pochette, où il y a des gants. Oh oui, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à prendre les gants parce qu'on ne sait pas quelle température à chaque fois il fait en ce moment, surtout quand vous finissez tard le soir et surtout si vous rentrez en VO ou vous aimez bien faire de la trottinette comme moi. Donc voilà, au moins les gants, vous n'avez pas froid. Les gants, c'est obligatoire, ça prend pas de place. En plus, ceux-là, ils tiennent vraiment, vraiment chaud. Ça vient, m'a dit, Décathlon. Donc, je crois que c'était 10 balles. Bref, n'hésitez pas, trouvez des gants, laissez-les dans vos sacs, ça va vous servir. Dans cette petite pochette de droite, on a, on va tout sortir en même temps. Voilà, hop, on a un chargeur USB-C Lightning, donc ça c'est vraiment pour charger rapidement, c'est plus quand il y a des clients qui veulent charger, oui, on pense aux clients, et ben on utilise ce chargeur là. Donc c'est ce qui est très cool, c'est qu'il est très petit, vu qu'on a la possibilité de plier les petites pattes, voilà, donc prise anglaise oblige, je suis à peu près sûr qu'il existe la même chose en prise française, donc directement USB-C vers Lightning, et là j'ai pratiquement toujours 2 câbles avec moi,
Voilà, parce que je sais pas le ranger l'autre en fait, tout simplement. Donc soit le câble Anker USB C Lightning, soit le câble qui est fourni avec USB-C Lightning en blanc. Et ça recharge très très vite en USB-C. Donc ça, surtout, n'hésitez pas. Et ben voilà, le sac est vide. Bien entendu, on aurait pu rajouter des choses. On peut enlever des choses. Donc vraiment, la fonction du roll top, c'est vraiment, vraiment incroyable. Voilà, vous le roulez, vous l'accrochez. Voilà, et vous serrez. Vous serrez, vous pouvez serrer, serrer, serrer. Donc ça, c'est super cool. Pareil pour la casquette. En général, je mets la casquette dessus quand j'ai la flemme de porter la casquette. Comme ça, sur le sac, ça tient très bien. Non, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment très, 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 très cool. Donc voilà, la famille, vous savez tout ce que j'emporte sur l'essentiel de ce que j'ai besoin pour aller mixer. Bien sûr, on aurait pu rajouter pas mal de choses. On peut peut-être aussi enlever des choses, mais ça m'étonne. Je vois pas quoi. Donc si vous voyez quelque chose en trop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voyez qu'il manque des choses, j'ai déjà des petites idées sur 2-3 trucs qu'il faut que je rajoute. N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ça fait grave plaisir de vous présenter ce petit sac de 2022. Et franchement, le Stubble & Co, il est vraiment cool, il est accessible. La vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux. Mais franchement, c'est un petit sac qui fait la diff. 20 litres, c'est pas très gros. Et ça suffit pour les sacs de tous les jours. Et franchement, j'ai même hésité à en acheter un deuxième d'une autre couleur, parce qu'il existe des couleurs différentes pour mon sac de tous les jours, quand je vais à des rendez-vous, quand je me balade dans la ville, etc. Tellement il est plutôt cool. Mais bon, j'ai déjà repéré un autre sac. Peut-être qu'on fera une autre vidéo dans l'année avec ce nouveau sac. Voilà. En tout cas, je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à envoyer les pouces en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que c'est comme ça que de votre côté, vous pouvez donner la force. C'était Hurricanix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt, parce que là, les dates reprennent fort, fort, fort. Et on va bientôt commencer à bien voyager. Donc, ça fait grave plaisir. Beaucoup de vidéos arrivent, notamment le sac de guest. Laissez-moi quelques mois et je vous montrerai mon sac de DJ guest. Donc voilà, c'était Hurricanix pour le spécial What is in my bag. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Pouh.